Bonjour à tous, c'est Chal. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis trop contente. J'ai trop trop hâte de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir un petit peu le gameplay de Strangerville. Alors j'espère que vous êtes prêts à mener l'enquête avec moi. Je vous préviens d'avance qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, eh bien ne regardez pas. Ou alors juste le début. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais au moins j'aurais prévenu. J'espère que le petit machinima vous a plu, je vous ai remis celui que j'avais sorti pour la vidéo construction de la petite caravane que vous voyez derrière. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite de votre écran si vous l'avez pas vue, et je l'ai remise parce que je la trouvais vachement sympa, cette petite intro. Donc voilà, donc on est entrée à Strangerville et on a un petit message. Bienvenue à Strangerville, la ville où la seule chose plus étrange que ses habitants, c'est sa flore. Peu de temps après votre emménagement, vous commencez à comprendre le slogan de la ville. Certains habitants se comportent d'une manière un peu suspecte et il y a beaucoup de militaires et de scientifiques en ville. Essayez de poser des questions aux gens sur Strangerville, ils pourront peut-être vous éclairer sur cette situation étrange. D'accord, très bien. Du coup, je vous montre rapidement la petite caravane que j'ai faite. Voilà, hop, voilà, je l'ai juste replacée parce que comme j'avais oublié d'activer le code Baby Move Object, il n'y avait pas la porte, il manquait quelques petits trucs à l'intérieur. Donc pensez à l'activer si vous voulez télécharger cette maison. Et du coup, on se retrouve avec un personnage que vous connaissez bien si vous avez suivi mon let's play sur les Sims 4, chien et chat, puisqu'il s'agit de Garance, la sœur jumelle de Caitlin. En gros, là, elle est devenue adulte, elle a décidé de quitter l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur pour partir vers sa vie de son côté. Et elle a toujours été assez sportive et tout, donc elle a envie de devenir militaire et elle veut résoudre le mystère de Strangerville, voilà. Du coup, je l'ai un petit peu modifié quand même, vous pouvez voir quelques vêtements du Créant Sim, le haut est nouveau, le collier aussi. La coiffure également, et vous verrez un petit peu ce qu'il y a d'autre avec ses autres tenues. J'espère que ça vous fait plaisir de la revoir, comme je sais qu'il y a certains parmi vous qui sont assez attachés à elle, je me suis dit que ça vous ferait plaisir, donc dites-moi ça en commentaire. On va tout de suite se lancer dans une carrière, on va prendre la carrière scientifique. Scientifique, n'importe quoi, j'ai dit scientifique tout à l'heure, c'est militaire. Hein. Alors, carrière militaire, la forme physique et la discipline seront essentielles pour réussir une carrière militaire. Gravir les échelons ne sera pas facile à moins de réussir à démontrer vos capacités physiques ainsi que votre talent pour recruter et diriger d'autres Sims. Allez-vous suivre la voie permettant de devenir un jour maréchal ou opter pour une voie plus secrète afin de découvrir ce que les Sims pourraient cacher? Branche professionnelle, soldats et opérations secrètes. Donc on gagne 26 par heure, 6h-14h, ouh on commence tôt. Ok, et d'après ce que j'ai compris, c'est une carrière un petit peu comme le jardinage et les carrières de vie citadine. C'est-à-dire qu'on peut travailler de chez nous normalement. Garance est désormais nouvelle recrue à cet endroit, base nationale de Strangerville. Elle commence lundi à 6h. On doit s'entraîner sur la machine d'exercice, ça tombe bien, j'en ai une justement. Voilà, j'avais prévu le coup, hein, on peut dire. Et du coup, on va l'envoyer s'entraîner. Oh, s'entraîner à donner des ordres, s'entraîner au combat, c'est cool. J'espère qu'elle aura la place de le faire et tout. Ça devrait aller normalement. Ah, c'est trop marrant. J'aime trop, l'interaction, elle est trop chou, je trouve. Même si, bon, elle n'est pas forcément dans la bonne tenue pour faire ça, mais c'est pas grave. Et pour notre aspiration, il faudra qu'on parle de Strangerville avec 5 sims, acheter une curiosité à la boutique de curiosité et examiner la porte scellée au laboratoire secret. D'accord, très bien. Au niveau des environs, on est là, donc l'endroit où il y a toutes les petites caravanes. On a ici un avion crashé. Mais j'ai pu voir sur la map qu'apparemment, il y a quelqu'un qui habite dedans. Et je voulais montrer dans le machinima le petit stand ici. J'aimerais bien qu'on aille voir ce qu'ils vendent parce que du coup je l'ai juste filmé mais j'ai pas du tout regardé. On va lui faire une présentation militaire. Ça ressemble à quoi la présentation militaire? Ah, c'est trop mignon, le petit garde à vous. Il a une passoire sur la tête quand même, hein. C'est spécial. Peut-être pour se protéger des ondes qui rendent malades les Sims, je ne sais pas. Un micro d'espionnage. Ah, il faut acheter un dispositif d'écoute. Je sais pas combien ça coûte un dispositif d'écoute. On regardera ça, mais je vais prendre un micro quand même. Je prendrais bien un petit atout. Allez,
Je prends un petit atout. Je sais que j'ai déjà pas beaucoup de sous, mais voilà, je suis tentée. Donc, on va acheter ces deux trucs-là. Oui, on a un événement qui est bienvenu à Strangerville. Oh, il y a des gens qui sont venus nous accueillir. On va leur dire bonjour. Ah! Mon Dieu! Ok, alors attendez. Ah, mais regardez-moi ces têtes, quoi! Oh, ça commence bien! Mon Dieu, mais c'est horrible! Oh là là, je les avais déjà vus du coup sur Twitter et tout, mais les voir en vrai, c'est un tout petit peu plus flippant. Regardez-moi ces têtes, quoi! Oh, ah, ils font flipper! Oh là là! Je suis pas sûre qu'on doit aller leur parler vraiment. Parce que si ça se trouve, oh là, si ça se trouve, ça peut être contagieux. Vous voyez qu'elle a un nouveau haut. Bon, on va les inviter quand même, on va essayer. Elle a un nouveau haut. Lui, je crois que son haut. Bah, je crois que sa tenue entière, elle est nouvelle, sauf peut-être le chapeau. Je suis pas sûre à 100%. Et elle a rien de nouveau, je crois. Bah, ça a pas marché, j'ai pas réussi à venir, ça a bugué un peu, je sais pas. Ouh là 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 là, la fusion de Sim possédé, quoi. Et du coup, bah, ils partent. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est horrible. Ok. Bon, bah, du coup, j'ai pas pu leur parler. J'ai essayé, mais elle avait pas décidé, ma petite garance. Du coup, on va continuer à essayer de discuter avec lui. On va lui parler de Strangerville. Voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Par contre, j'adore le stand. Je trouve que il fait trop bien et l'ambiance dans cette ville, elle est trop bizarre. J'ai entendu dire qu'il y a un genre de laboratoire secret dans le cratère à l'extérieur de la ville. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Examiner la porte scellée du laboratoire. Mais on peut déjà, je pense, aller regarder un petit peu les environs. Finalement, il y a l'air d'avoir pas mal de monde, plus que la première fois que j'ai regardé. Oh, on a une des plantes cheloues là. On pourrait peut-être aller la voir. Une photo. Vas-y, va prendre une photo. Je suis désolée si ça bug un petit peu, c'est comme ça un peu pour moi depuis la mise à jour. Donc je fais ce que je peux, voilà. Une photo de plante bizarre a été ajoutée à votre inventaire. Ok, oh, pourquoi j'ai une médaille? Récompense d'excellence de l'équipe technique. Constituer un dossier secret nécessite 15 preuves. Avec un dossier secret, vous pouvez convaincre quelqu'un de vous donner une carte d'accès au laboratoire secret. Donc celui qui est à l'extérieur de la ville, dans le cratère, d'après ce que j'ai compris. Scientifique, on va aller te parler à toi. Je crois qu'il nous a dit d'aller parler aux scientifiques. On va faire une présentation militaire. On va parler de Strangerville. En fait, je ne sais pas grand-chose sur Strangerville. Jusqu'à récemment, je passais la plupart de mon temps dans le laboratoire secret dans le cratère. On va se faire un petit peu des contacts. En plus, il a l'air mignon. J'imagine que c'est un nouveau Sim de la ville. Il a l'air un peu trop beau pour être un PNJ. Oui, il a l'air vraiment mignon. Parler de Strangerville. Ah oui, et je lui ai mis le trait, le nouveau trait qui vient avec le pack qui est paranoïaque. Les Sims paranoïaques ont l'impression qu'un danger se cache à chaque coin de rue et que les gens parlent d'eux en permanence. Ils se sentent en sécurité lorsqu'ils sont dans un sous-sol. Voilà, on n'a pas de sous-sol, mais c'est pas grave. Et j'ai pas vu ce qu'il nous a dit le monsieur. Toi, on va te faire une présentation militaire également. Il nous a dit, vous avez entendu parler du laboratoire secret dans le cratère, je veux aller le voir. Il faudrait qu'on aille jeter un coup d'œil. J'essaye de parler avec plusieurs personnes pour en savoir un peu plus. Ok, parler de Strangerville. On va pas partager des théories du complot avec un militaire, c'est pas forcément une bonne idée. Je la trouve trop mignonne comme ça, notre petite garance. Elle est trop trop chou. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus à Kathleen maintenant. Même si nous faisons partie de l'armée, ils ne nous laissent pas voir toutes les pièces du laboratoire secret dans le cratère. Avez-vous pu déjà y entrer soldat? Ah, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne plus d'infos vu qu'il sait qu'on est militaire aussi. C'est pas mal du tout ça. Alors, au niveau de cette petite vidéo, ça sera pas un let's play, tout simplement parce que j'ai pas le temps de lancer un nouveau let's play sur ma chaîne, ça serait beaucoup trop compliqué pour moi. Mais si j'ai pas terminé l'intrigue, etc., à la fin de cette vidéo et que vous voulez une deuxième vidéo, dites-le moi en commentaire et peut-être que j'en sortirai une deuxième.
À la base, j'avais prévu d'en sortir qu'une, mais bon, c'est très étrange. Ok, on va aller le voir et on va essayer de parler à Marc. Oh, mais cette démarche, il fait flipper! C'est horrible! C'est pas gagné, si vous voulez, mon avis. Oh là là, il fait peur! Oh, moi, je croise ça dans la rue, mais je pars en courant. Vraiment. Ok, d'accord. Ça a pas l'air très efficace. Ouvrez les yeux sur la beauté des fleurs. On va tenter de lui faire reprendre ses esprits. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que... Vous avez vu, il nous a tordu la main, genre. On va réessayer. Oh! Ah oui, d'accord. Ok, oui, bah en même temps, si on le frappe aussi... Ça a marché? Oui, ça a marché. Il doit savoir quelque chose, lui. On va parler de Strangerville. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Vous avez remarqué ces plantes bizarres qui apparaissent un peu partout en ville. Vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Les scientifiques locaux ont fait des tests sur elles. D'accord. Et là, il faudra qu'on aille au laboratoire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer chez nous. On va s'entraîner un petit peu. Et puis, peut-être qu'ensuite, on ira au labo, du coup, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous passer un petit peu tous les moments où je remonte les besoins et tout ça parce que c'est pas forcément très très intéressant. Et du coup j'ai posé le petit atout et la médaille ici. Et je viens de voir un truc aussi avec l'ordinateur, c'est qu'avec le nouveau trait on peut modifier les mots de passe vu qu'elle est parano et je trouve ça beaucoup trop drôle. Du coup on fera ça juste après. Ah bah j'ai l'impression que ça fait rien de spécial, c'est juste une petite interaction en plus quoi. Comment on commence à être un petit peu fatigué, je pense qu'on va aller faire un petit dodo et que je vous retrouverai demain pour continuer l'enquête tout simplement. Ok, donc ma petite Garance est debout, elle a des petites courbatures parce qu'on s'est entraîné hier. Donc elle va aller faire un petit pipi, petite douche et on doit aller courir pour notre travail. Du coup on va l'envoyer courir et après je la ferai prendre une douche comme ça, comme de toute façon elle va se salir. Voilà, donc aller courir, j'ai fait travailler depuis la maison parce que comme ça on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour enquêter tout simplement. C'est quand même super beau, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la ville elle est vraiment très jolie. Sans qu'un simflouze, on a fini notre mission. Donc c'est bon, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Ah oui, et pour cette série, je vous demanderai de ne pas non plus me spoiler dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien découvrir moi-même. J'aime pas trop être spoilée comme ça, j'évite déjà les réseaux sociaux un petit peu depuis un moment pour ne rien savoir, déjà des game changers et maintenant des gens qui ont le jeu aussi mais qui peut-être ont fini le truc en une nuit, enfin voilà. Donc je préfère tout découvrir un petit peu toute seule. Bon, on va tout de suite aller au laboratoire secret pour voir un petit peu ce qui s'y passe finalement. Et nous voilà arrivés au fameux laboratoire secret dans le cratère. Regardez-moi ça. Il y a des plantes partout, des plantes bizarres là. Il y a un camion renversé ici, c'est vraiment... Enfin, on peut pas faire plus louche, je pense, comme endroit, clairement. Oula, on dirait que ça a été abandonné ici, c'est un peu bizarre. Il ne semble pas y avoir quelque chose d'utile ici pour l'instant. Ok, ah, c'est la fameuse porte, je crois qu'on doit aller... Oui, c'est la porte qu'on doit aller examiner. Donc on va faire ça tout de suite. Il y a un espèce de truc écrit bizarrement ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Cette porte est verrouillée, elle semble nécessiter une carte d'accès. Quelqu'un en ville saurait peut-être comment en obtenir une avant de partir fouiller le laboratoire secret pour rassembler plus d'informations. Ok, festival, on s'en fiche. Et là, du coup, rassembler 15 preuves constituant un dossier secret sur Strangerville et ouvrir la porte scellée. D'accord. Ah oui, et du coup, on a ça qui s'affiche en rouge et là, on peut chercher des preuves. Ok, très bien. Alors, on va faire un petit peu tout le tour du laboratoire pour essayer de récolter un maximum de choses. Hop, photo flou suspecte, ok. Regardez-moi ça. Mais pas du tout de délicatesse quoi, Garance. Ok, clé USB cryptée. Un programmeur compétent pourrait peut-être la décrypter. Elle se trouve dans l'inventaire de votre sim. Ok, on devrait peut-être essayer un petit peu d'apprendre la compétence
programmation. C'est vraiment bizarre. On dirait que le laboratoire, il a été laissé en plan, en fait. Il y a encore plein de trucs qui traînent et tout. C'est vraiment étrange. J'ai hâte de savoir un petit peu de quoi il retourne finalement. Oh, pirater pour trouver des preuves nécessite au minimum le niveau 3 de la compétence programmation. D'accord, donc en fait il faut vraiment avoir une compétence programmation. Du coup je pense qu'on fera ça en rentrant pour essayer de trouver des trucs intéressants, je sais pas. En tout cas je trouve ça vraiment cool qu'au début ce soit ordonné comme ça. Et après, une fois qu'elle a fini de fouiller, ça devient le bazar comme ça, vous voyez. Je trouve ça hyper réaliste, c'est marrant. Oh là là, j'aime beaucoup trop cette map. Ok, bon, je pense qu'on va rentrer chez nous et on va essayer d'augmenter un petit peu la compétence programmation pour en savoir plus. Ok, donc nous voilà rentrés chez nous. Au niveau de nos besoins, ouais, faudrait qu'on parle à quelqu'un, mais il y a un peu la flemme. Moi j'ai envie qu'on fasse un peu de programmation. Donc on va faire. Oh, demander une carte d'accès. Accès restreint aux militaires de niveau 5 ou supérieur. Oh, c'est vrai que si on progresse assez dans notre carrière, on pourra avoir une carte d'accès. Mettre en ligne le dossier secret. Ah oui, mais on n'a pas assez de preuves nous. Bon, j'ai atteint le niveau 2, il nous faut le niveau 3. Mais c'est vrai que là on manque de divertissement et on a besoin de parler à des gens. Du coup je me disais pourquoi pas aller faire un tour sur un autre terrain de Strangerville. Comme ça on explore un petit peu et puis peut-être qu'en parlant à des gens on pourra avoir des informations supplémentaires. Du coup je sais pas encore où on va aller mais en tout cas je vous retrouve là-bas. Alors j'ai décidé de me rendre dans un petit bar, soirée ours. Ok, on s'en fiche. Mais là par exemple on a une militaire, du coup peut-être qu'on pourra en apprendre un petit peu plus en lui parlant, je ne sais pas. Présentation militaire pour qu'on sache qu'on est des siens, des... Oui, je me comprends. Oh, et ce petit bar il est nouveau si je me trompe pas. Très sympa le bar ici là, j'aime beaucoup. Vous pouvez obtenir une carte d'accès au sous-sol du laboratoire secret si vous assemblez assez de preuves des événements étranges qui ont lieu dans cette ville. Ok, et tu peux pas m'en donner des preuves toi? Non. On nous a donné l'ordre de ne rien dire concernant le laboratoire secret, je ne peux pas partager ces informations avec n'importe qui. Peut-être que si j'étais un peu plus amie avec elle, elle accepterait de m'en dire plus. On va discuter des centres d'intérêt. Les militaires qui sont au moins adjudants niveau 5 peuvent obtenir une carte d'accès à la zone d'accès restreint du laboratoire. Utilisez simplement un ordinateur pour demander une carte d'accès et vous sera envoyée. Cela dit, j'ai entendu dire que des civils avaient déjà trouvé des moyens d'en obtenir. J'ai des preuves de ce qui se passe, mais je ne devrais pas vous en parler. Vraiment. On va essayer de continuer à se renseigner. Nécessite niveau de relation plus élevé. Ça veut dire que elle, si on continue à discuter avec elle, on pourra éventuellement lui demander un petit peu plus d'informations sur la base militaire. Du coup, on va continuer à lui parler. Plus de choix amical. Demander comment s'est passée la journée. Ah, ça y est, on peut lui demander des preuves venant de la base militaire parce qu'on a atteint un niveau d'amitié suffisant avec elle. C'est vraiment super cool. Est-ce qu'elle va accepter? Oui, je ne devrais vraiment pas vous donner ça, mais tenez, on a reçu une photo de surveillance aérienne. Ok, super. Merci beaucoup, vraiment. Écoutez, on va rentrer et on reprendra notre petite enquête demain. Bon, on s'est couché un peu tard, du coup on se lève qu'à 11h. Mais écoutez, on doit aller courir pour notre travail. Donc, on va faire ça. Tiens, est-ce qu'il y a une nouvelle station de radio? Oh, morceau étrange. Ok. Et du coup, tu vas aller courir en écoutant ça. C'est bon, on a rempli notre mission du jour. Du coup, on va aller se faire un petit pipi. Et on va s'entraîner à programmer pour retourner pirater les ordinateurs du laboratoire. Et ça y est, on a le niveau 3 enfin. Et du coup, je crois qu'il nous disait qu'on pouvait éventuellement modifier les... Enfin, essayer de pirater les clés qu'on avait eues, décrypter. Ah ouais, non, il nous faut le niveau 10. Ok, c'est même... pas la peine, ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir là tout de suite.
Et comme on est crevé et tout, on ira au laboratoire seulement demain pour essayer de pirater un petit peu les ordinateurs qu'on a pu trouver là-bas. Donc je vous retrouve le lendemain matin. Ok, donc on est debout, on va manger un petit coup, s'occuper de nos besoins. Ensuite, on aura sûrement une mission pour le travail, mais après on ira au laboratoire, ne vous inquiétez pas. Et nous voici de retour au laboratoire, qui n'a pas changé depuis la dernière fois, mais je sais pas si vous entendez, on peut entendre les turbines un peu. Voilà, je vous ai mis un peu le son. C'est hyper bizarre, ambiance assez glauque. Et du coup, on va essayer de pirater tous les ordinateurs. C'est parti, on commence par celui-ci, pirater pour trouver des preuves. Let's go. Ah, on avait un dossier qu'on n'avait pas fouillé ici. Non, il y a des nouveaux trucs à fouiller à chaque fois qu'on y va, en fait, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Du coup, en soi, même sans pirater les ordinateurs, on peut réunir assez de preuves pour faire un dossier, j'imagine. On va bientôt pouvoir faire un dossier secret. 15, parfait. Alors, constituer un dossier secret. Ça y est, on l'a enfin. Il peut servir à obtenir une carte d'accès pour le laboratoire secret, yes. Consulter l'inventaire, nanana, scientifique militaire. Ok. Ok, donc, on est rentré chez nous. Je vais voir si on peut demander une carte d'accès ici. Ah, il est conspirationniste, d'accord. On va lui demander une clé d'accès. C'est parti. Je crois que j'ai une carte d'accès, je vous la vendrai. Ah, j'espère qu'on lui a pas donné le dossier parce que moi je veux pas. Oh non! Ah si, non, c'est bon, il est là. Ok, bon, on va plutôt lui demander peut-être avec la carrière militaire ou. Je sais pas ce que ça fait si on le met en ligne, j'ai peur qu'on reçoive rien. Peut-être qu'on pourrait appeler Alexandra, vu qu'elle est militaire. Peut-être qu'elle pourrait nous donner une carte d'accès si on a un dossier, du coup. On va lui demander une clé d'accès. Parce que là, pour l'instant, on ne peut rien faire avec le dossier, hein. Ah, c'est bon, elle nous l'a donné! Je ne devrais pas faire ça, mais on dirait que vous pouvez nous aider à sortir de cette situation terrible. Prenez cette carte d'accès, elle vous permettra de franchir toutes les portes du laboratoire secret, mais faites attention, personne n'est descendu aux étages inférieurs depuis que nous avons sceller les portes. C'est trop bien. Oh là là, je suis trop contente. On l'a enfin. Et donc il faut qu'on aille ouvrir la porte scellée au laboratoire. Dire qu'il voulait nous vendre l'autre là. Heureusement que j'ai pensé à la faire venir. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là-dessus avec notre petite Garance qui se demande vraiment ce qui se passe dans cette ville, vu sa tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez une deuxième du coup pour continuer l'enquête, dites-le-moi en commentaire. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me le faire savoir. Et vous pouvez également vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et activez la petite cloche des notifications pour être un petit peu tenu au courant. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières infos, etc. Et en attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!